Lui, c'est Antoine Mercier. Antoine Mercier est hospitalisé pendant plusieurs jours et Antoine arrive à l'hôpital et il ne mesure pas pour l'instant le parcours du combattant qui l'attend. En effet, Antoine va vouloir avoir la télévision, internet et le téléphone dans sa chambre. Et là, ça va s'apparenter à un chemin de croix. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a ici? La télé. Alors, ça... Ouais, bah ça marche pas, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tiens, bon, je vais essayer de passer un petit coup de téléphone à l'accueil. Antoine découvre avec horreur que ni télévision, ni téléphone, ni internet ne fonctionnent. Alors, il se dit, bon, c'est pas grave. Il suffit pour moi d'aller au service et de m'inscrire. Alors, l'accueil, où se trouve l'accueil? Monsieur, excusez-moi, non. Bah, vous savez où est l'accueil, madame? Antoine non, se balade. C'est... dans les couloirs de l'hôpital. Et là, d'un seul coup, il trouve une personne qui va sans doute l'informer. Bonjour. Bonjour. Je souhaiterais avoir le téléphone dans ma chambre. Ah, le téléphone? Oui, alors, bah oui, oui. Oui, bon. Pour avoir le téléphone, en fait, il faut d'abord aller au bureau Internet. Il faut vous inscrire d'abord. On vous délivre Internet. D'accord. Ouvre Internet. Et ensuite, vous revenez avec le formulaire d'inscription d'Internet. D'accord, c'est tout ça. Et après, je vous mets le téléphone. C'est extrêmement simple. D'accord. Donc, du coup, c'est où le bureau? Alors, le bureau. Donc, vous sortez, vous passez, donc vous prenez la troisième à gauche, vous ressortez dans la cour, vous traversez le souterrain. Vous savez, vous avez un souterrain où on ne voit rien, vous faites attention. Ouais. Hein, vous dites... Il n'y a pas de lampe. Ah non, il n'y a pas de lampe. Donc vous dirigez comme ça, vraiment c'est au son. Hein. Vous allez voir, de toute façon, vous allez voir si vous prenez un mur, à un moment c'est que c'est pas la bonne direction. Oui, d'accord. Voilà. Vous ressortez dans la cour, il y a la lumière d'un seul coup, vous montez dans l'ambulance, oui. Vous faites 50 mètres, vous passez dans le bâtiment B. 50 mètres. Et là c'est le premier B. Bureau à droite. Là, ici. Le bureau des. Bon. Il déambulait dans les couloirs de l'hôpital, il cherchait. Il voulait simplement avoir internet, la télévision et le téléphone. Ah, c'est pas compliqué, on est au 21e siècle quand même. Bonjour. Bonjour. Je voudrais m'inscrire Internet, on m'a envoyé du... Voilà, le grand classique. Je vous arrête tout de suite. Vous n'êtes pas le premier patient à venir ce matin. Alors, c'est extrêmement simple. En fait, il faut d'abord aller vous inscrire pour la télévision. Je vais à la télévision. Alors, au niveau où c'est, vous faites le trajet inverse, d'accord? Vous repassez par notamment le souterrain, vous faites attention. Sauf que là, ça va être la troisième à droite. Ah, d'accord. D'accord? Voilà. Allez. Merci, hein. Allez, à tout à l'heure. Antoine. Ça lui a pris encore 4 heures. Alors c'est où, là, ça commence à devenir vraiment critique. Ah, bah voilà, je vous trouve enfin. Je vous arrête tout de suite. J'allais m'arrêter. Vous venez pour la télévision? Ouais, c'est ça. Ah, ben ouais. Non, mais le problème, c'est qu'il faut d'abord s'inscrire au téléphone. Il faut s'inscrire au téléphone, revenir avec le formulaire Internet. Et ensuite, je vous inscris pour la télévision. C'est extrêmement simple. Non, mais attendez, monsieur. On met un système extrêmement simple en œuvre pour vraiment faciliter la vie des patients. Bla 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 bla. Pendant 2 jours, il déambula dans cet hôpital. Regardez, dans ce sac, il avait des vivres, des boîtes de carottes râpées, des conserves. Il ouvrait à même les dents. Il dormait dans les couloirs de l'hôpital. Il s'était perdu dans sa quête. Il voulait internet, la télévision et le téléphone. C'est tout ce qu'il voulait. Antoine était dans cet hôpital. Autour de lui, regardez, d'autres patients, eux aussi éplorés, qui attendaient. Regardez Bernard. Bernard était juste venu pour un ongle incarné. Bernard, tu veux un peu de maïs? Et Bernard voulait la télévision, internet et le téléphone. Et lui aussi, plein de gens. Arrêté, perdu, se demandant. Alors, dans un dernier espoir. Bon, je vais quand même faire un dernier essai, ça va peut-être marcher. Retourna dans sa chambre. Il retourne dans sa chambre et là, il se dit. Bon, allez. Mais pourquoi pas? Après tout, je. Essayons, allez. Et là, il implore. C'est parti. Et là, d'un seul coup, magie. Alléluia. La télévision marche. Alléluia. Alors, de suite, il se précipite sur son téléphone pour voir s'il a une tonalité. Et là. Waouh, génial, et l'internet. Tonalité et internet marche. Et là, il se souvient. Il se souvient qu'on lui avait annoncé que justement AGSCOM et Telemcom étaient en train d'installer le nouveau système. Alors, il se décida à appeler un proche. À qui souhaitez-vous parler? Papa. Bonjour, Antoine Mercier. Ne quittez pas, je vous mets en relation avec votre papa, Paul Mercier. Ah, ben merci, c'est sympa. Allô?
Allô, papa, c'est moi. Oui, hey, ça va devine... Ouais, ça va. Tu as vu? Tu as dit papa, tu es tombé sur moi. C'est incroyable, hein? Oui, mais je dis papa depuis que j'ai deux ans, papa. Oui, mais là, je trouve ça extraordinaire. Et oui. Moi, quand je veux t'appeler, je dis Antoine. Ouais. C'est incroyable. Ouais, et même mieux que ça, en fait, j'ai même pas dit papa. Ils ont supposé que je voulais t'appeler et ça t'a appelé. Et il y a Bernard qui est avec moi dans la chambre et il confirme. Je voulais dire, en fait, c'est génial parce que là, j'avais rien dans la chambre d'hôpital. Et d'un coup, paf, avec AGSCOM et Telemcom, bah, ça marche. J'ai la télé, j'ai l'internet, j'ai le téléphone, tout d'un coup, et je peux gérer l'internet, tu peux gérer l'internet. Et je voulais te demander si tu avais un peu d'argent pour recharger mon crédit. Et bien sûr, et tu vois, AGSCOM et Telemcom ont tenu leur promesse. Ah, et bah c'est super. Voilà. Et bah peut-être on peut se retrouver. Ah non. À tout à l'heure. À tout à l'heure, je t'embrasse.